Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Vous aurez vu que Slan a essayé de m'assommer en douce pendant que je faisais l'intro, ce qui signifie qu'il est bien vivant. Salut Slan, salut tout le monde. Salut. Coucou. Salut. On y va à pied ou on y va à Katox, on y va à pied ou en voiture? À pied. Ouais, c'est parti. Alors, ils partent en expédition seuls. Attends, je t'adore pas là. Et nous, on va faire je ne sais quoi du coup. On va essayer de fouiller les bâtiments qui sont pas trop loin. Moi je finis de regrouper tout ce qui peut permettre de soigner des gens. Il y a deux librairies à proximité, ça pourrait être sympa de commencer à aller faire récupérer la collection de livres. J'essaie de traverser une porte s'il te plaît. Hein, chacun sa croix, n'est-ce pas? Chacun sa croix, sa bannière. Je vais suivre la route et puis on va voir si je tombe sur une librairie. J'ai des zombies ici. On va passer en mode furtif. Hein. Mais t'es pas obligé de les tuer tous. Attaque. Merde, il est 20h30, il va bientôt faire nuit. C'est une bonne idée de sortir. Oh. Non. 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 Il a brûlé ce bâtiment, c'est marrant ça. Mais nous on va en intérieur donc c'est pas si grave. Ouais. Ah putain. Non. Vite, équipez ma batte de baseball. Si quelqu'un meurt, que quelqu'un ressorte la dernière phrase de Slam. Vite, il faut que je mette mon sweat à capuche. Et ma veste en cuir. Le mec, mais prêt à rien pour sauver sa peau, quoi. Pourquoi j'ai pas mis la capuche? Il est con. Vite, la capuche. Avec la capuche. Voilà. Vas-y, viens zombie, je suis prêt. Je veux pas aller aussi vite que toi, hein, parce que moi j'ai pas autant d'endurance. Hein. Ah non, il y en a plein. Ah non, au secours. Dans les bâtiments, il y a des zombies. Hein. Dans la rue, ça paraît pas, il y en a 2-3 qui se baladent comme ça, mais... Ouais, mais là c'était calme et d'un coup, non, c'est plus calme. Ah, je suis juste me casser, ça va. Ouais, mais il faut que tu t'assoies avant qu'on rentre dans le truc, hein, parce que là-dedans. Je m'assoirai devant. Laissez-moi. Je m'assoirai quand je serai mort. Après, de toute façon, c'est l'entrée là. C'est ici? Ouais, c'est ici. Je vais m'asseoir juste là sur le coin, là au moins je suis sûr que. Je vais m'asseoir avec un point de vue sur ce qui arrive. Oh bah de toute façon moi je vais te protéger, peut-être. Est-ce que je peux réussir à mettre, s'il vous plaît, un coup de batte de baseball à un zombie? Oui. Incredible. J'ai réussi à tuer un zombie à moi tout seul. Putain. Ça c'est beau. Bravo. Ah je me sens plus. Après l'avoir fui le zombie pendant tout le parking. Check. Alors les autres ils font des checks, ils avancent en se couvrant et tout. Pas du tout, je suis assis, je tourne en rond. Il a vu. Il a vu l'image que ça donne, c'est assez particulier. Ça fait vraiment tour de guet, assis. Bip 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 bip. 190 dans la remorque, c'est beau, je me demande si on pourrait l'attacher derrière la Honda. Attention, t'as 3 zombies juste après le coin. Il y a un zombie qui essaie de. Un zombie avec un foulard sur la tronche qui essaie de casser la porte de notre garage. Voilà. Non, il ose pas faire ça. Sûrement un touriste. Attention, tu vas te faire mordre le pied. Il a une veste en cuir des Barrel Dogs. Imaginez un peu le mec, quoi. Allez, on y va. Ah non. Tu t'es fait mordre ou pas? Non. Ah, mais toutes les voitures du parking sont fermées, quoi. Ouais, effectivement. On est obligé de passer par l'entrée centrale? Ouais. Ah, j'ai pas un accès fournisseur. C'est juste à côté de l'entrée centrale. Attends, c'est là. L'entrée centrale. Ah, là j'ai pu rentrer. Zut, y'a pas la clé. Elles sont sympas les petites voitures, hein. Faut avouer. Bon. Y'a rien dans le coffre. Oh là là, mais c'est la dèche. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque, quoi. Il va falloir... Ah, ils ont cassé une vitre, c'est bon, on peut y aller. Alors, faut retirer le verre brisé. Je suis en train de le faire. Allez, on y va. Discrètement. C'est pas possible. Viens, 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 cours, 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 cours. Est-ce que c'était une idée de merde? Oui. Non, c'est pas une idée de merde. Alors, putain, arrêtez. À chaque fois, ils m'égratignent au cou, quoi. On est quoi, ils t'ont égratigné encore? Oh putain, il y a du monde là. C'est là le surplus militaire. Non, c'est pas là, c'est le suivant, c'est ici. Non, c'est pas là non plus. Bon, c'est à peu près safe.
pour l'instant. Est-ce qu'on l'aurait pas déjà passé? Est-ce qu'on ferait pas un tour et puis qu'on se barre? Est-ce qu'on se tirerait pas, genre, vite? C'est pas là. Attends, on va déjà repérer où c'est. Là, c'était pas juste là où t'étais. Le truc, c'est quoi? Il faut que je m'arrête parce qu'il faudrait idéalement que je me soigne. Ah bon? Ah bon? J'adore le... Ah bon? Ok. Ah merde, c'est embêtant. Non, pas par là, va surtout pas par là, viens, il faut mieux qu'on sorte. Viens, on sort. Il faut que tu passes. Pourquoi oh, putain, oh putain, oh putain. Je te regardais, je me suis laissé attraper. Oh là là, c'est la fin là. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Là du coup, moi aussi. Ah, moi, je suis bien une poêle à frire. Voilà, parfait. Bon, il y avait plus un de rouleau à que pâtisserie. Nickel. Et en nuit, et la nuit, c'est vrai qu'ils sont un peu agités. Tu vas pouvoir sortir. Ah, du sirop d'érable, du thé, c'est fantastique. Ouais. Je sais pas si je dois m'inquiéter parce que je sens mon... Ah oui, je suis en blessure extrêmement critique. C'est rien, ah, ça va. Bientôt du coup. Ben, allez, hop. Moi aussi, je vais me soigner. C'est bon, il y avait personne. Ne vous en... Surtout ne paniquez pas, ça va bien se passer. Ah bah moi, je suis en train de mourir. Non, ah, j'ai non, plus de, j'ai plus de tissu. C'est dans ah, la tête. Plus de tissu. Ça, c'est un problème. Mais c'est dans la tête. Voilà, c'est exactement ce que tu nous disais, Slan. Hein. C'est dans la tête. Tout va bien. Exactement. Fallait pas partir sans le médic, hein, c'est tout. Hein. T'es où, t'es où, t'es où? C'est vrai. Je suis en train de me soigner là, juste deux secondes avant de mourir. Médic. Je suis plus mort. Echo Boy, s'il vous plaît. Sur extrêmement critique. Bon, alors là, c'est un échec. Total. Même critique. Total. Faut revenir en pleine journée là, la nuit c'est trop dur. Hein. Très bien. Quelqu'un peut lui ressortir la phrase qu'elle est sortie il y a 5 minutes. En intérieur c'est bon. Ça va bien se passer. Moi il me reste un pixel de vie donc tout va bien. Je te laisse là. Ouais, 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 t'inquiète. T'inquiète, avance. Ah mais il y a des zombies qui ont réussi à rentrer, ils ont cassé une des portes, des portes de parking là. Ah bah ils finissent toujours par rentrer hein. Il y a des zombies dans la base, Damned, fais gaffe, je sais pas où ils sont. On arrive. Ils sont arrivés par la grille en noir là? Non non, par les portes de parking à l'arrière là. Ah. On y retournera en... plutôt quand il fera jour nous. Là où il y a la dague égarée, si jamais ça t'aide. On aura récupéré de la vie aussi. Je vois, je vois. Bon, faut que j'aille poser les trucs que je ferai que j'ai dans mon sac. Pour l'instant, j'ai fait un petit tour, j'ai trouvé personne. Hein. Je vais voir si je peux revenir avec des livres. J'ai pas trouvé la bibliothèque, mais j'ai ramené un peu de boue, j'ai fouillé. La bibliothèque, on y est à nous. Ah oui, donc bon bah du coup, pourquoi tu viens, il y en a deux des bibliothèques. Tu me rejoins, Katax? J'arrive. Ah, t'es suivi. Bon, il va nous falloir un deuxième frigo, hein, j'annonce. Il va falloir que vous bougiez un peu les fesses. Hein. Évite. Le surplus militaire, c'est bien, mais... D'abord, il faut ramener des livres et des sacs. Pourquoi faire? J'ai du sirop d'érable, mec. Pour progresser, pour progresser vraiment quand on fait des choses, quoi. Oui, je sais, t'as raison. Conserve, y'a pas besoin. Alors, il fait nuit et j'arrive pas du tout à trouver comment allumer. Est-ce que je peux pas mettre un petit peu de bacon? Ouais, voilà. 19.3, ça doit être ici, j'ai trouvé. Voilà. Paquet de flocons d'avoine, y'a pas besoin. Bon, on y va. Par quoi qu'est-ce que je prends moi? Moi j'ai la recherche 1 à 5, j'ai pas le 2. D'accord, toi tu fais la recherche. Toi je te propose de faire la recherche, le piège, premier secours et pêche. Le pêche 3, tu le trouveras peut-être pas. Ah, il a 53 sur 50 ce truc, d'accord, très bien. Bah, et moi je vais faire mécanique. Électricité, travail des métaux, menuiserie. Ça. Ah, mécanique. Conserve de sardines, c'est de la conserve, c'est bon. Oh, mais putain, mais jeu, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais on a plus de porte. Ah oui, il va falloir construire un mur pour combler la porte de garage qui a été ouverte en fait. Ouais, mais ça c'est plus tard, c'est niveau 7 en menuiserie. Ah bah putain. En attendant, bah, y aura un trou. C'est bien. Mais ça va être bientôt devant. Niveau 7, ça va aller très vite, hein, rassurez-vous. Mmh. On va garer la Lada devant, y a pas de souci. Il faut d'abord qu'il ait les bouquins. Une fois qu'il aura les bouquins, si je lui ramène des planches, ça va aller très très vite.
Bah moi, quelle que soit la phrase que dit Slan, quand il termine par rassurez-vous, je suis inquiet. Ça me paraît pertinent. On est d'accord. Il lira un livre, tiens. C'est sûrement ça à être saoulé, donc. c'est sûrement de votre faute. Ouais, ça doit être ça, ouais. L'électricité, menuiserie volume 2, ouais, je l'avais pas. La mécanique volume 2. Duck. Ah, il y a la pêche volume 3, ça a été débugué. Par rapport à la version d'avant. J'ai déjà eu. Oh, crossword de magazine, c'est quoi ça? Non, il faut qu'on enlève nos fringues mouillées. Voilà. Il y a une laverie avec des sèches-linges pas loin, hein, sinon. Ah ouais, mais c'est mouillé parce que je cours trop vite dans la nature avec ma grosse veste là. C'est pas étonnant que tu cours trop vite. Je suis sportif, moi. Face à la mort, il court. Il me faut menuiserie 3, mécanique 5, et plus. On a trouvé le zombie qui avait réussi à rentrer. Dommage. Non, je vais frapper un zombie qui nos portes derrière, dehors. Je m'occupe de la couture. Ouais, si non, bah, il a peut-être pété la porte puis s'est barré. Hein. Ça, c'est comme les araignées quoi, quand t'en vois une et qu'après putain, tu la vois plus ambition. Et tu sais qu'elle est là et tu sais pas où. Mécanique ça. Ça sera un peu notre petite araignée. C'est qui faisait la couture déjà? C'était pas moi. C'est moi. C'était toi. Mince, mes bandages sont sales. Est-ce que j'en ai des nouveaux? Non, y a pas de porte ici. Ça craint quand même là. Infecté et gratigné. Je pense que c'est mauvais signe. Ouais. À l'instinct, ouais. Pas la peine que je lise trop de livres. Ah. Vous m'avez fait peur, monsieur. Ouais, je sais. C'est l'installation, hein. Ça ira mieux après. Ah, mais ils ont pété la grille noire aussi. Ah non, elle est juste ouverte. Non. La grille noire, on peut pas la péter. C'est juste parce que quelqu'un a laissé ouverte. Menuiserie 3. Et mécanique de travail des métaux 5. Bon bah je vais reculer la Lada devant la porte en attendant. Hein. Ouais, pour qu'elle fasse porte, ouais, c'est pas con. Ah bah ça sert à rien. Travail des métaux 5, ça y est. Mécanique 5 et menuiserie 3. T'insultes pas ma Lada, elle sert pas à rien. Elle est pas comme le lâche de Hawaï. Elle. Mécanique 5. Menuiserie voilà. 3. T'as réussi à avoir des collections, Katax, pour le moment? J'ai la couture jusqu'au 4, la pêche jusqu'au 4, la recherche jusqu'au 5, l'art du trappeur jusqu'au 4. Non, c'est trop long ici. Okay. Passer par là plutôt. On va aller préparer un peu de quoi bouffer vite. 3. En attendant qu'il ramène des livres là, plutôt que blamber. Et mécanique 5. La cuisine, t'as pris? Non, j'ai pas fait la cuisine encore. Alors, je fais la cuisine. D'accord, j'en ai 3 devant moi là sinon. Bah j'ai 1, 3. Ma poêle est vide. Bon. Il y a le 5 devant moi là. Pour ma vie, c'est une scie de jardin dans un bureau. Normal. Mécanique. Ouais, normal. Tournevis, je veux bien, ça pourrait me permettre de faire des trucs. Bah surtout, je t'ai trouvé des radios donc t'as besoin d'électronique un peu toi, je crois, non? Yep, un petit peu. Parfait. Alors, bouge pas. Il y a une radio là déjà par terre, tu vois. Je t'en ai posé une, je t'en pose une deuxième. Mais toi, t'en as pas besoin. Bon, non, électronique. Ah, j'ai la mécanique, ça y est. Il manque plus que menuiserie 3. Est-ce que t'as fait l'agriculture? Personne n'a trouvé une marmite à tout hasard. Bah, je démarre sur l'agriculture, alors on y va. Comment ça va être full, moi? Ah, peut-être dans les bols. Faut prendre toutes les petites recettes qui n'ont pas de. Les petits magazines du pêcheur et tout ça là après. Donc il manque menuisie 3 et agriculture. Bon, on a de quoi passer l'ennui aussi un petit peu. La petite recette, je peux mettre ça à cuire ou pas? Ça cuit ou pas? Alors la masse, je vais la mettre ailleurs. C'est pas cuire, c'est pas marqué cru, donc je pense que non. Alors menuisie 3. Non, putain, bandage sale encore. Ouais, c'est ça. On boit la soupe. Mais j'en ai plus des tissus, moi. N'importe quel vêtement, tu le déchires et c'est bon. Je veux pas déchirer mes vêtements. Non bah ceux de quelqu'un d'autre, prends ceux de Katox. Ouais, c'est vrai que... Quand tu merde, veux pas faire avec tes j'ai déchiré mon t-shirt, ça me fait quand même des trucs sales.
Les aiguilles à tricoter, c'est des déchets, mais bravo. Ouais. Alors, il manque agriculture 5. Non, on va attendre d'avoir les livres avant de demander 3. Les radios. Agriculture 5, c'est bon. Allez, on prend une soupe et un petit peu de raisin et on est bien. Et menuiserie 3. Voilà. On va quand même le trouver, le menuiserie 3. Le menuiserie 3, j'en ai déjà vu. Hein. J'ai menuiserie 3 ici. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu des bouquins, mais vous aviez dit que vous gériez. J'en ai pas plus. 3, voilà, hop, menuiserie 3, très fait. Donc j'ai électricité. Alors je regarde les talents et tu me dis si t'as. Moi, j'ai pris menuiserie. Cuisine, c'est toi qui as. T'as complet ? Cuisine, il me manque. J'ai que jusqu'au 3. Qu'est-ce que tu fais, Joël ? Agriculture, j'ai. Ouais. Premier soin, est-ce que t'as fait ou pas ? Alors, premier soin, laisse-moi voir. Non. Alors, c'est moi, premier soin. Électricité, j'ai fini. Travail des métaux, j'ai fini. Mécanique, j'ai. Couture, c'est toi qui as fait ? Couture, ouais, je l'ai. Jusqu'au 4. C'est l'heure d'une petite cigarette. Pêche, tu as fait ? Pêche jusqu'au 4. Piégeage ? J'ai la voix du chasseur, je pense que c'est ça. Non, ouais, c'est ça, ouais, sûrement. Et recherche ? Jusqu'au 5. Et d'accord, j'ai plein de magazines, cuisineurs, pêcheurs. Voilà, moi je dois faire premier secours. Faut qu'on trouve. Donc je dois faire premier secours. Ah non, mais j'ai largement ce qu'il faut. Ouais, j'ai ce qu'il faut, merde, tant pis. Alors, premier secours. Non, mais arrête-toi. Hop, la cuisine volume 1. On a ça au bureau. Ouais, mais bon, on ramène tout, nous, de toute façon. Ouais, non, mais t'as histoire raison. Qu'on soit sûr. Ah, merde, une alarme à côté. Bah, du coup, il y a des étagères avec des bouquins au rez-de-chaussée à l'accueil, hein, si vous voulez. Il y a déjà quelques livres. De toute façon, on va tout virer pour mettre les nôtres. Il faut tout enlever. Ah, les groupes électrogènes, j'ai trouvé. Est-ce qu'on a un herboriste ? J'ai pris des magazines dans tous les sens. Herboriste. Bah on les prend tous, ça pèse rien. Ah, premier ça, c'est utile. Hein. Ça, on vire. La recharge volume 3, on vire. Secours. J'ai 5 là, ici, premier secours. Ah, j'ai 1, 4, 5. Ah bah j'arrive alors. Juste en face de moi. Ça marche. Pourquoi il y a une bouteille d'eau dans le coin là ? Bouteille remplie d'eau. Très bien. 4 et 5, il manque plus que le 2. J'ai la cuisine, mais j'arrive pas à développer plus que la cuisine volume 3. Premier secours 2. Parfait, dis-moi ce qui te manque toi maintenant. Cuisine 4-5, pêche 5, recherche. Pêche 5, il est devant moi là. Ici là. Là. Attends, voilà. Toc, 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 toc. Et tu m'as dit cuisine, il te manque quoi ? Cuisine 4-5. Cuisine 4-5, allez hop, on va aller chercher un peu. Magazine du pêcheur. Métallurgie. Cuisine, j'ai le 5, hein. Je le prends. Parfait. Il manque donc le 4. Il y a plein de trucs ici. Et menuiserie volume 3, la cuisine volume 3, parfait. Ouais, mais on a besoin de rien, hein. Les bouquins tu peux les balancer. Hein. Ah ouais, non, mais c'est dans notre bâtiment à nous. J'avais pas vu qu'il y avait des. Tu les mets dans un endroit où ça servira à faire du feu parce que nous on amène un de chaque. On va pas mélanger ensuite avec le reste. On peut faire du feu avec ? Non. Mmh. Oui, on peut faire du feu. Bah, là j'en ai supprimé quelques-uns du coup, mais. Ah, il faut pas supprimer. Cuisine 4, j'ai toujours pas. En fait, il y a un magasin dans notre bâtiment là. Il y a plein de trucs dedans. Il oui. y a quasiment tous les livres déjà. Il y a des livres, c'est surtout pour la survie, ouais. Ah bah, tu rigoles, t'en as plein quoi. Déjà, j'ai trouvé le livre de cuisine qu'il me fallait. Il y a de la recherche jusqu'au volume 5. Il y a des magazines. T'as le cuisine 4 ? C'est le dernier qui nous manque. la cuisine volume 4, là, il est là. Bah, allez, c'est bon, on y va. Je vais le garder bien précieusement. Je vais le mettre dans l'étagère. J'ai préparé les étagères vérifier. De l'accueil pour mettre les livres. Tu peux regarder si t'as l'herboristerie ? J'ai pas trouvé l'herboristerie. Non, mais nous on doit l'avoir dans notre. Dans la. C'est le genre de truc qu'il y a facilement là-bas. Toc, je regarde. Putain, c'est un petit fascicule minuscule. Ah, Autostar Tuning, magazine. J'ai un CD Get Funky, c'est pas ça, non ? Non. Yeah, funk. Ou recherche magazine, non, bah, je fais le tour, je te dis. Premier secours, tu l'as pas trouvé, toi, l'herboristerie Non. Catox ? Bon, il y a une deuxième librairie, on ira le chercher. J'ai l'agriculteur. Diffusé à cire et sale. Hop, suite. Là, y a rien. Ici. Bof. Toc, ok, on va faire ce milieu.
Non, y a plus de recettes, hein, on a tout fait. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait tout le tour. Agriculture, morceau de papier. Allez, on y va. Je vais me charger un peu de quelques livres. La mécanique volume 5. Mécanique, non, du chasseur. Mais pas trop, parce que comme je suis sûr à deux doigts de mourir, ben sinon qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste mourir. On va lire un peu, hein, ça sera fait. C'est vrai qu'on a pas regardé celle-là. Il y a plein de trucs ici. Électricité volume 1, bah voilà, parfait. Non, non, il y a que cuisine 4 que tu gardes. Ouais, mais je cherche ton herboristerie là. Ça marche. Pour l'instant, et moi je rentre. On a une autre librairie juste à côté. Les deux bibliothèques qui sont dans l'entrée, il faut les vider complètement. Tu peux les vider. L'accueil. Bah non, mais j'ai mis la cuisine volume 4 dedans. Ouais, tu peux laisser cuisine volume 4 dedans en effet. Oh, j'ai dû laisser. Je crois que j'ai laissé dans celle de gauche, j'ai laissé des livres pour pour se divertir, mais je peux les enlever. C'est toi qui as viré les bouteilles d'eau que j'avais mis en haut dans l'angle. Ah bah oui, je les ai rangées. Ouais, en fait, c'est pour les laisser là, comme ça on est toujours à dispo. Quand on veut partir, on en prend. Enfin, on pourra mettre un meuble, hein, mais en attendant. Bah, du coup, elles sont dans la cuisine. Ça va à droite. Du coup, on va mettre tout ce qui est mécanique, je le mets à gauche. Voilà la couture. Tout ce qui est artisanat manuel. Et tout ce qui est extérieur, on va le mettre à droite. Ce qui se fait à l'intérieur à gauche. Égratigné infecté, on va peut-être essayer de faire ce qu'il faut. Hein. Là, je te remets juste des bandages propres, mais quand tu vas remonter, on va aller voir ça un peu plus près. J'ai à peu près pareil. Hein. Bon, bah, pas d'herboristerie, désolé, Slan. C'est pas grave, on le retrouvera. Ah non, c'est Slan qui va bien. C'est Katox qui va pas bien en fait. D'accord. Non, Slan, tout est bien, t'es ok. Je suis pas vraiment. Ah non, prêt, hein. Ah bah non, là, t'es pas bien. Bah, il... putain. Mais c'est parce qu'il bouge. Il bouge donc du coup le jeu doit être en galère. Ouais ouais non vous êtes pas très bien tous les deux. Hein. Je sais pas si je peux trop couper. Ça s'est pas passé comme prévu en arrivant là-bas. Hein. Ouais, ouais ouais. On va y retourner. Il faudrait qu'on récupère un peu quoi. Ouais, on pourrait peut-être t'enlever quelques cadavres aussi, ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Ouais ouais ouais. Bon, ça je vais m'en occuper. Alors. La cuisine, j'ai pas de 5 ici. Et dans le premier truc ici, là, où il y a des élastiques, des trucs tout con, je mets toutes les recettes. Ok. Bon, bientôt on les enlèvera pour qu'il n'y en ait qu'une de chaque, mais je mets aussi des livres, des magazines, des trucs comme ça. Ah non, non, ça c'est en haut. Oh putain, ça. Non, tout ce qui doit être lu c'est ici. Bon, ouais, c'est la bibliothèque, c'est ici. J'ai commencé à mettre en haut parce qu'on avait que ça comme endroit, mais. Ah mais là ça va être tout mélangé, hein, non ? Non, c'est pas le magazine. Non, là, y a que ça. Alors tous les magazines spécialisés et tout. Bah si, mais si vous commencez à mettre les livres au milieu des magazines spécialisés, ça va pas le faire. On a mis aucun, oui, mais oui. Non, mais c'est les livres, les magazines. Ouais. Ah, tu tries par catégorie et puis t'enlèves tout ce qui est livre. Vous avez déjà lu. Non, parce qu'il y a Autostar Tuning et... Bah, tout ça, Autostar Tuning, c'est des recettes. Hop. C'est bon, j'ai fait le tri. Et vous mettez ça dans celui à l'ordinateur là, sous l'ordinateur. Je commence à mettre les crosswords, les livres, les magazines et tout là. Ça marche. Et j'irai chercher ceux qui sont en haut et on les mettra avec aussi. Ça marche. Oh, il a un coup près lui. Ok. On a de quoi désinfecter ? Oui, attends, viens, on va monter tous les deux. On va moi aussi. J'attends. On va monter tous les deux. Non, je rassemble tous les cadavres au milieu de la route là-bas. Comme ça, j'aurai les cramer quand je retrouve un peu de sens. Tiens, bah, je vais descendre tous les magazines qui sont là. Ça bouge là, non ? Non, c'est un bug graphique. Okay. Non, je te suis parce qu'il faut absolument me soigner. Bon, bah d'accord, bah faut savoir alors, parce que moi j'ai cru comprendre qu'il fallait faire les cadavres. J'arrive. Ça y est. Il faut nous soigner tous les deux pour qu'on puisse repartir vite. Vas-y. Ok, bah on y va. Moi je m'occupe des livres d'abord. Bah je vais aller cuisiner un peu pour la peine. C'est dans quel coin qu'on va ? C'est là, c'est ici. Tout est là. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans pour toi ? Des lingettes désinfectantes. J'ai trouvé l'endroit où on range la javel, c'est bon. C'est bon, t'as trouvé. Ma vie est enfin réussie. Les pansements, prendre la moitié. Un antidouleur, ouais, bon, ça on verra. Je suis en train de faire des saucisses au petit pois et aux tomates. À côté, il y a Chobiti. Oh, j'ai faim, miam miam.
Ah non, regarde, c'est bon, Katok, j'ai enlevé ton bandage, t'as plus rien. Ah ouais. Il y en a qui ont de la chance. Voilà. Ça empêchera pas la nausée plus tard, mais bon. Pour le moment, il va bien. Ok, je monte pour que tu me soignes, moi non plus. Je monte pour que tu me soignes. Je vous prépare vite fait à bouffer si vous voulez manger avant de partir, juste le temps que ça chauffe. Ici, mon bureau, tu vois pas, t'as pas vu là, Damned sur la porte, non? Vous avez votre carte vitale, monsieur Slan? Non, et puis en plus j'ai faim. Alors dépêche-toi, j'ai la dalle. Attends, tu vas attendre que ça cuise, hein. Non, cette fois-ci, je vais attendre. Je vais bouffer des chips et du chocolat comme d'hab. Oh, on va voir ce qui est plus grave du bon. Je t'ai fait un sauté de saucisse aux petits légumes, quoi. Tu sais que quand t'enlèves tout au départ, après ma vie elle tombe à toute vitesse. Ouais, je sais. Faut mieux les enlever une par une, mais bon. Mais je voulais laisse voir. Faire le médecin, okay. Ça suffit. Ah, si tu décèdes, c'est parce que t'as pas. Pourquoi t'as j'ai mal à la main. Y'a toujours marqué douleur là. Ouais, c'est rien. Ça va passer. Mais qu'est-ce que ça foutu? Bah, je t'ai mis des lingettes désinfectantes sur ton infection. Aïe. Bah, oui. Mais attends, j'ai mal. J'ai plus mal maintenant qu'avant là. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, regarde là-dedans là. Non, mais là-dedans, viens là. C'est normal, c'est normal, Slan. Écoute le médecin. Non, mais il y a des antidouleurs à droite là, dans la porte de droite. Prends-en. Antidépresseur, je peux en prendre combien d'après toi? Non, antidouleur. Dépresseur, c'est après les deux, moi. Ouais, bah tu mélanges. Comment j'ai faim? C'est presque une bouteille de whisky. Ça devrait aller mieux là après, hein. Pendant que tu m'as soigné, quoi. J'ai quand même perdu pas mal de vie, hein. Ouais, mais c'est normal. C'est parce que, tu sais, les saignées, t'as déjà entendu parler des saignées? Moi, je suis un grand addict des saignées. Le malade imaginaire. Bon, y'a rien à bouffer. Je bouffe quoi, moi? Mais non, mais ça cuit. Mais calmez-vous, bordel. Céréales, ça nourrit énormément, tiens. Allez, hop. De toute façon, il va faire nuit. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est prêt. Vas-y, Katox, mange. Non, il va faire jour, justement. C'est pas la peine de se presser. Bah justement, on va y aller, nous. Récupère un peu de vie, d'abord. Tu vois, t'as des douleurs aux deux ans... Mais si t'as des douleurs, c'est bien, c'est que ça veut dire que ça réagit. Ouais, mais c'est con, là, tout ça. Là, je suis pas bien, là. Mais non. Et j'ai même plus de tenue de protection. Ah oui, bah ça, c'est un autre problème. Il faut que je retrouve la tenue de protection que j'avais mis de côté, là. Bon, vous avez mangé, c'est bon? Ouais, moi, j'ai mangé des céréales. Ah oui, ok. T'as mangé, Gatox? Ouais. Un quart, ça te suffit? Gilet pare-balles. Bon, regarde, oui, c'est bon, je suis à peine nourri, mais c'est bon. Achète. Bon, et le signe, c'est bon. Quand que tu nous démontes un peu la lada, là? On y va? Bah, elle marche très bien, la lada, j'ai pas besoin de la démonter. Oui, j'ai fait un peu faire le tour des voitures sur le parking, mais on a aucune clé, elles sont toutes verrouillées, donc... C'est quoi qui est par terre, hein? Ah, y'a une fourche cassée par terre, d'accord. J'ai une batte de baseball, si tu veux que je te les déverrouille. Alors, ouais, comment les bouteilles d'eau. Il est où, Katox? Attends, parce qu'il me reste 2-3 trucs. Comment on démonte une radio? Faut la placer. Voilà, tu crois dessus normalement et tu peux la voir dans ton inventaire, la radio. Hein. Ouais, mais pour la démonter, il faut la placer, j'ai l'impression. Enfin, j'avais pas d'option. Non, pas du tout. Bah, écoute, le code sort, ramasse un cadavre et dépose-le au moins comme ça. T'avais un tournevis sur toi? Non, mais en général, ça me dit, tiens, il faut ça. Si tu t'auras l'option démonter quand t'auras un tournevis sur toi. Oui. Ah oui, nickel. Et ma vie, elle est remontée au max. C'est bon. Pas mal. J'ai moins mal. Plus je m'éloigne de Damned, moins j'ai mal. Ouais, tu vois. Comment tu fais pour que ta vie remonte aussi vite? Moi, elle est encore à la moitié. Bah, lingette désinfectante, ça change tout, hein, tu sais. Allez, oui. J'ai retiré le verre brisé, là, comme ça on pourra rentrer plus tard. Allez, viens. J'ai peur, j'ai cru t'enlever l'air brisé que t'avais sur toi, et là j'allais dire comment j'ai pu rater ça. Ça m'aurait pas étonné plus que ça. Le mec il sort et se soigne lui-même en disant bon, j'ai pas confiance. Ouais, quand même sympa cette bagnole, je vais voir si on peut l'ouvrir. Ah bah, y'a des gens qui fument ici ou pas? Y'a moi, ouais, mais j'ai de la réserve, ouais. Hein, j'ai 200 clopes sur moi. Et y'avait les clés dessus? Tiens, tu prendras les 60 qui sont en plus par terre. Tu te feras ta réserve dans un coin si tu veux, mais. Ah ouais, mais elle doit être en sacré mauvais état parce qu'elle a fait 2 mètres et elle s'est arrêtée. Par contre, je vais peut-être regarder ton inspection médicale parce que depuis tout à l'heure, je trouve que tu marches comme un bossu. Non, c'est parce que je suis en discrétion. Je sais. Ah ouais, elle est complètement défoncée cette. J'ai une bagnole qui est complètement défoncée. Y a moyen. J'ai trouvé. Fais pas trop de bruit. J'ai trouvé un lieu où il y a plein de canettes de bière. Chut. Cool. Attention. Tu viens, Katox? Attends, je bois une bière. Slade pourrait nous entendre. T'es conscient que.
Je t'entends si quand même. Si tu traînes tôt en chemin, on va arriver là-bas à la tombée de la nuit. Je bois ma bière. Je t'attends, ouais. Je t'attends à ton coin où, ouais, tu, ouais, ouais, on où, où t'étais essoufflé, là, dans ton carré jaune. Hop, voilà, 140, encore quelques-unes. Oh, il y a des zombies. 185, encore quelques-unes. Voilà. Oh, je vais devenir bon, la batte de baseball à force. Bah j'espère, parce qu'on en a quelques-unes pour t'entraîner. Hein. On peut démonter les tableaux? Non. Dommage. Portefeuille, serait pas mal ça. T'as déjà soif? T'as rien fait, c'est mec, t'as rangé des clopes. J'ai pas soif, je lave mes vêtements. Ah mais non, mais je parle à mon gars. Ah. T'as raison d'ailleurs, je profitais du fait qu'on sort pas trop savon, pour moi, se laver. Moi, c'est encore mieux. Ah, le mec, il lave carrément la batte de baseball. Bah attends, faut qu'elle soit propre la batte de baseball, un peu de respect pour tu... les... Tu récupères, Katax? Et arrête de boire, là. Je vais récupérer. Mais t'arrêtes pas de boire, là. Non, ça, j'arrête pas de boire. Alors, on va retourner voir les recettes, c'était là. Je t'ai vu boire au moins 10 fois. Non. Mais arrête. Je bois pas. Mais t'es tout le temps en train de picoler, là. Préparer des trucs, préparer un sauté... Bah écoute, je te vois. Tu te donnes du courage? Je peux faire des choses comme ça, d'accord, très bien. Pas rentrer. Mais. Dieu! Mais y'a pas de marmite? T'es dedans, hein, Katox, hein, et tu vas te faire mordre. Bah oui, bah je. Là. Là, t'es dehors. Je crois qu'il y a un petit. Vas-y, lève ce qui est équipé. Je sors. Pourquoi on est passé sur ça? Découper le pain, non, j'ai pas de quoi, j'ai pas fabriqué du pain. Mettre le patatar dans le boule. Oh putain! Soul lag encore. Bah, c'est, à mon avis, j'ai été déco. Ah oui, c'est le cas. Ah. Super. Bah, je reviens. Bah, tu reviens, mais en attendant, moi je me suis fait croquer. Mais non, cela, arrête d'être négatif comme ça. Oh putain, là, ils sont trop nombreux. Des oignons de ring, il faut du bicarbonate de soude et de la farine pour les fabriquer, quoi. Bah oui, oui, du bicarbonate de soude pour faire gonfler la autour. Parfait. Pour que ça soit bien croustillant. À la base. Eh ouais. Ces gens sont fous. J'ai un peu fait un carnage. Mais ils ont un peu fait carnage aussi avec moi. Ah, si, je peux faire une pâte à pain. Il me faut quoi? De la farine, du sel, de la levure. On a rien de tout ça. Bordel, les gars. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qu'ils foutent les ravitailleurs là? S'en fout du surplus militaire, ah bah rapportez-moi de la farine. Et un plat à gâteau. Pour l'instant, ce qu'il nous faudrait surtout, c'est des sacs. Pour pouvoir vraiment ramener du matos. Peut-être que vous voudriez mon sac de randonnée. Devant, c'est CF. Ah, ça aurait été bien, ouais, d'avoir des sacs de randonnée. Fallait demander. Bon bah du coup, on va peut-être arrêter cet épisode là. Est-ce que tout se passe bien? Bah ouais. Personne n'est mort en plus. Ça vaut quand même le coup de le noter. Moi ça va. Du coup j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.